Hello, hello! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour quelques informations puisque la Bungie Weekly Update est sortie hier au soir. Et donc, on parle bien évidemment du SRL, la fameuse course de passereau. Donc, outre quelques informations sur la correction de diverses bugs, on y apprend que cette course de passereau est bel et bien tenue jusqu'au 29 décembre, mais qu'en revanche, vous avez jusqu'au 21 décembre pour envoyer vos plus beaux freestyles en passereau et espérer gagner votre titre au festival de films de course de passereau officiel de Bungie. Donc il faut savoir qu'il y a de très beaux loot, par exemple une PS4 pour le vainqueur de ce concours, mais aussi des t-shirts, des maquettes, etc., etc. Donc la suite de ce concours se trouve dans le lien que je vous mettrai directement en barre d'infos. Donc autres informations, on apprend le retour de la bannière de fer prévue donc à la fin de cette SRL directement le 29 décembre après 19h, donc probablement au reset. Donc cette fois-ci, on sera sur le mode de domination, le retour des valeurs sûres. Et donc on a les loots qui ont été leakés ou révélés ou plutôt réannoncés puisqu'il s'agit des anciens items, rien de nouveau concernant la bannière de fer. Donc moi j'aime énormément ce côté vintage, ce côté fer rouillé qui fait un peu old school, j'aime beaucoup. Après libre à vous, mais bon comme vous le voyez, bien évidemment il s'agit des loots que tout le monde connaissait déjà. Donc pour ceux qui se demanderaient comment obtenir les différents loots, il faut savoir que vous pouvez les acquérir comme d'habitude auprès de Maître Saladin. Donc les armures de jambes à partir du rang 3, les casques et fusils auto à partir du rang 4 et le fusil à pompe à partir du rang 5. Mais vous pouvez également, comme toujours, les obtenir en récompense de fin de partie. En rang 2, les casques, en rang 3, les objets de classe, les fusils auto et en rang 4, les fusils à pompe. Côté stats, côté fonctionnement de la bannière en elle-même, rien de changé, tout reste comme les choses l'étaient à la précédente mise à jour, à moins qu'une information tombe entre-temps, mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé de la suite des événements. J'espère que ces petites infos vous ont plu, n'hésitez pas comme toujours à partager, liker, commenter, me faire part de vous. Avis dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite un très très bon week-end à tous. Ciao tout le monde!